Et bien salut tout le monde, c'est Xviska et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War Ragnarok. Rien à secouer de la côte secondaire. Ah merde, faut trouver le bon angle. Juste. Ici de bon angle. Hey, le balèze. Je te mets un vent. Maintenant que tu as ton arme, nous n'avons plus qu'à trouver un moyen d'atteindre Endal. Oui, si c'est toujours le plan. Ça l'est. Je protégerai mon fils. Bien. Alors j'imagine que nous allons abandonner le plan initial consistant à éviter le Ragnarok. Cela dépendra d'Odin. Oui, et c'est bien là ce qui m'inquiète. Écoute, mon frère, ces choses qu'il t'a dites. Ces mots ne valent rien. C'est vrai, mais je doute que ces représailles soient une menace en l'air. Nous devons réfléchir à ce que cela implique. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. Donc lui montrer la lance. Regarde ça. Allez, finis le travail. Oh, regardez-moi ça. Elle est exceptionnelle. Pas besoin de me le dire. Tu as trouvé comment aller à Asgard? Pas vraiment. J'ai eu quelques idées, mais aucune n'a marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je suis fatigué. Donc, vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel avec la dame? Rien du tout. Que dalle. Aucun problème. Pourquoi? Tu t'attendais tant que ça? Non, non, pas du tout. Je suis ravi que tout se soit déroulé comme prévu. C'est le cas. Et c'était une vraie aventure, en plus. Je leur ai tout appris sur la nature d'une chose et sur la forme qui va avec. C'est devenu un thème récurreur. Tu inventes encore des mots. C'était un thème récurrent. Et c'était poétique. Tu es insupportable. Insupportable. Où vas-tu, mon frère? Dormir. Alors, on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça, ton plan?
Kratos. Tout va bien? Bien, ton père semble vraiment prêt à partir. Allons-y, tu veux? Par ici, grognon. Tu apprécies ces douze vagues, petit homme. Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour, tu apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de vos bois. La plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr. Et paisible. Le gibier y abonde. Et tu ne manqueras de rien. Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer ce jour-là. Il s'est adouci depuis. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Je suppose qu'il m'incombera de t'apprendre à parler. Ton père t'apprendra à chasser. Ou peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix. À te connaître toi. Moins il en saura, mieux il se portera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Quand je pense... que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant. Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Il est innocent. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. Atreus. Et notre avenir. Protège-le, Kratos. Protège notre fils. Ah.
Qu'est-ce qui t'a fait, ce mur ? C'est pour me concentrer. C'est mon père qui me l'a appris. Et ça marche ? Pas encore. Mais sur quoi tu te concentres ? Le contrôle de mes émotions. Emdahl cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Trude ! C'est trop dur. Alors, on s'entraîne sans moi ? Et c'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi, mais ta mère va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah, d'accord. Tiens, prends ça. Et passe mon bonjour à Sif, à Dame Sif. Et Atreus, on se voit plus tard. Et Trude, au revoir, Trude. Les mythes gardiens sont vraiment étranges. Étrange, ça peut être bien. Non mais vous deux, franchement... Y'a quoi dedans ? Tu l'as cahier. Ma mère adore. C'est sa façon d'aider. Grand-père est dans son bureau. On se voit plus tard ? Je vous dis, Atreus, il a un plan cul là. Sur quoi je peux travailler ? Et oh, putain, il va pas être content. La chambre de Sif et Thor. Père et les autres, c'est tout frais s'ils apprenaient que je suis venu ici. Minute. Qu'est-ce que je suis venu faire ? C'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours besoin de savoir pourquoi. Je suis plus une enfant. Cela n'a rien à voir avec ton âge. Alors quel est le problème ? Parce qu'à mon âge, Magni et Maudit étaient engagés sur la voie de leur mort. Je ne comprends pas. Mais tu n'essaies jamais. Alors aides-moi. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir suivre leurs traces ? Et qui plus est, avec ce garçon ? Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste... J'en ai toujours rêvé. T'as jamais eu... Nous sommes des As, pas de vulgaires paysannes. Nous n'avons pas de rêves, seulement des devoirs. Tu dois apprendre à agir en conséquence. Parfois, je te déteste. Rien ici. Odin est peut-être dans sa bibliothèque. Je ne comprends pas. Le masque, ramener chez nous le géant qui a tué mes fils. Pourquoi ? Je pourrais te l'expliquer, mais pas te le faire comprendre.
ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu ? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Loki, viens là. J'ai enfin mis le doigt dessus. C'est là que vous avez tué Ymir. N'est-ce pas ? Le premier géant. Dis-moi, peut-on tuer un éboulement ? Étouffer une tempête ? Ymir était une force de la nature, la puissance incarnée. J'étais jeune et bête. J'ai vu l'occasion de créer quelque chose. Tu penses sûrement que c'était cruel, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger les miens. Tu comprends ? Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Que cache-t-il ? Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose. La brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. Et j'ai su, à cet instant, qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Vois-tu, mon enfant, j'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. Les runes sur le masque. Elles parlent d'un souffle glacial. Souffle, vent. Il doit s'agir des limes. Limes, dis-tu ? Je te crois. Et je connais la personne idéale pour t'accompagner. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de mes attentes. Tu peux compter sur nous. Essaie d'éviter de te planter. Oh, j'ai failli oublier. Heimdall se joindra à vous. Quel privilège. Pour nous tous. Hop, pas si vite. Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Helheim sans aide. Efrilar. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remerciez pas. Ymir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Helheim. Tu crois tout ce que te raconte ce vieux bouc ? Aud, désolé que ta première sortie hors d'Asgard t'amène à Helheim. Non, ce sera une bonne expérience. Bien, j'adorerais jouer les gouvernantes, mais le père de tout m'a confié une autre mission. Si vous rencontrez le moindre problème, criez pour que je puisse retrouver vos corps. Bon, trouvons ce morceau de masque. Je peux enfin tester mes compétences aux côtés du grand expert des Valkyries. D'abord, les Éléens ne sont rien comparés aux Valkyries. Ensuite, je pensais que tu me croyais pas. Baston! T'en veux encore? Non, ça va. Je veux bien croire que tu as affronté les Valkyries. Ce que je crois pas, c'est que grand-père les avait corrompus, qu'il a causé la désolation de Midgard et ordonné le massacre des géants. J'oublie quelque chose? Pas mal de choses. Par là-bas.
Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser le masque maintenant alors qu'on a une putain de ligne droite à faire? Vas-y. Moi, je te regarde sans rien faire. Tu rêves. Elle est vraiment forte. Attention. En toute franchise, je ne sais pas ces guerriers trop difficiles à battre. Allez. Allez, Loki, du nerf! Alors, quels autres abominables crimes mon grand-père a-t-il commis? Voyons, il a décimé Vanaheim, torturé Tyr, exécuté Groa, assassiné Ymir, et y a pas que ça. Intéressant. Et où as-tu entendu tout ça? C'est Freya et Mimir qui me l'ont dit. Ah, donc sa traîtresse d'ex-femme et son ancien conseiller aigri? Je vois. Écoute, tu ne me crois pas, mais... Non, c'est vrai. Soit tu mens, soit t'es un hypocrite quand tu l'aides. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la mission? Trud, mon père n'a pas toujours été celui qu'il est aujourd'hui. Il a changé. Peut-être qu'Odin peut changer aussi. Je sais que c'est dur d'entendre ce genre de choses, mais... il faut que tu saches la vérité. Ce que tu choisis d'en faire, c'est à toi de voir. Bon. Allez, hein, ligne droite time. Sur la bonne voie vu que le A. Impasse. C'est ici que le masque nous dit d'aller? Eh ouais. Faisons demi-tour, on trouvera un autre chemin. T'es la fille de Thor et t'arrives pas à... Tu vois, des Éléens, c'est qu'on est sur la bonne voie. Bien sûr. Bon, non c'est pas bon. Allez Loki, du nerf! Eh ouais! Jalouse! Oh, for you, là. Encore. Il a vraiment de dire ça. Je m'en occupe. Bien, il y a un gros trou là-haut maintenant. C'est peut-être notre passage. Hé, hey, tu m'en veux pas, hein? C'est bon. Peut-être que nos familles sont censées être ennemies. Mais pas nous. Je refuse de le croire. Ce que je crois, en revanche, c'est que tu ferais une grande Valkyrie. Et je le dirai à ta mère. Même si elle me fiche une peur bleue. Ça me touche beaucoup. Merci. Allez, on a un morceau de masque à trouver. Par ici non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Mais mon instinct me dit que ce qu'on cherche est ici. Viens le camp. Alors là.
C'est peut-être notre passage. Descendons pour voir. Descendons pour voir. Arrête de draguer Loki là. Ah! La merde. Maintenant on va. Ouais, bah pour pas changer. Boing, boing, boing. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Une revenante. Je vais la ralentir. Tiens-toi, on en charge. Ouais, donc elle a pas fait long feu. Vraiment, vraiment. Oh. Viens le voir. On dirait de la pierre de son sur la grille. Tu t'en charges, signal? En avant? Oui. Le guidage du masque est un peu bizarre avec toutes ces structures sur le chemin. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Tu crois? Bah écoute, moi je suis d'annotation, je vois que ça brille, ça veut dire que c'est par là. Elle a dit cauchemar. Oh, attention, où? Tiens le fort. T'as pu taper, meuf. Attends, donc par là. Oui. Est-ce que tu te moques de moi? Je veux que ça se passe bien. Je veux que ma famille voit de quoi je suis capable. Je sais, moi aussi. Pourquoi ça vibre? Ouais, heureusement c'est par là. On dirait que c'est par là. Allez, viens m'aider. T'as la force de Thor, non? Je me charge de l'ouvrir. D'accord, ces portes sont vraiment coriaces. Tu vois quelque chose là-dedans? Voilà. Bien, ce que t'as touché a fracassé le sol, comme tout à l'heure. Faisons demi-tour pour voir ça. Bon, je parle beaucoup de ma mère. Et toi, comment est ton père? Il est... dur. Il essaie de me forcer à devenir comme lui. Mais je crois pas que ce soit moi. Ouf. Ouais, je sais exactement ce que c'est. Le problème... c'est que je sais pas ce que je veux. D'accord, ça attaque en traître en plus. Celui-là, il est... Ok, c'est pour toi, mais vas-y. Hein. Ça me dérange pas. Oh, j'adore quand il les arrache en petits morceaux là. Ah ouais. Ah oh, ouais. Oh. Bon. Ce frisson. Est-ce qu'il s'atténue? Non, pas vraiment. Ma mère va vraiment avoir du mal à me garder à garde après ça. Derrière cette porte. Elle dit-moi que le mécanisme marche. Yay! C'est par où? Le masque nous disait d'aller tout droit. Mais bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre. Ou qu'autre chose ne sorte.
Je suis sûre qu'il y a un autre accès. C'est toujours le cas. Un autre accès, tu dis, hein? Par où alors? Est-ce que les caisses, on peut pas les bouger? On va monter ici. Alors, s'il y a un autre accès, je sais pas où il est, hein? Moi, je peux pas pousser ça? Non. Alors là, je vois absolument pas. Ah! C'était à côté, merci. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie? Un peu par hasard. Après une dispute avec ma mère, j'ai filé en douce de leur entraînement. Chacun de leurs mouvements était net et précis, comme si elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Et à ce moment-là, je l'ai su aussi. On dirait que c'est par là. L'entraînement m'a donné... C'est trop lourd? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Pas mal. Je sais. Pas encore. Comme je le disais, voir les Valkyries se battre avec force et avec grâce, sans questionnement, ça m'a ouvert les yeux. Pour la première fois, je savais où j'allais. Je n'avais aucun doute. Dommage que les géants suivent des prophéties. Peu importe. Trace ta propre voie, comme on l'a fait ici. Écarte-toi, petit homme. Oh, elle est coincée aussi. Ça va. Oui, je vois ça. À l'attaque! Tiens pas! Passons! Ok, regarde, c'est éclaté, hein! Kaloki, j'espère que t'es pas en train de la manipuler, hein! Que ça a l'air d'être une gentille fille, hein! Peut-être pas, mais... Ouais, oui, ça va, t'inquiète, j'ai vu le pire. Pas mal. On forme une bonne équipe. Oui. Et maintenant? Ah, mais maintenant, continue, écoute, hein, meuf, hein. Ah, passez par là. Si seulement on pouvait passer cette maudite caisse. Je vous ai dit que j'aimais pas réfléchir. Apparemment, c'est par ici. Mais c'est bloqué. Ah, il y a un truc ici. Et si je bouge ça... Ah ! Est-ce que tu peux monter ? Ouais. Trouve un moyen de faire tomber la caisse de l'autre côté. La caisse de l'autre quoi ? Je ne peux pas monter comme tu le fais. J'y vais. Genre, t'es un Victor et tu peux pas faire ça ? Noob. Ingrid, est-ce que j'ai été trop dur à propos de son grand-père? Il faut qu'elle sache la vérité, non? J'en sais rien. Tu as raison. Hé, hey, tu me parlais? Non, je parlais à Ingrid. Ah, d'accord. Je t'attends. Et t'attendras encore longtemps.
Oh ouais. Ouais, ça c'est pour moi ça. Alors, du coup. Voyons, où je peux avoir un meilleur point de vue sur cette caisse? Pas ici, ça c'est sûr. Pas forcément à gauche, non? Non, pas ici. Non, c'est bien de l'autre côté du coup. Mais en bas. Alors, meilleur point de vue sur cette caisse. Alors, là, juste ici. C'est bon. Je devrais la rejoindre. Voilà, une de moi, c'est déjà pas mal. Mais t'as mangé tes morts, moi, tiens. J'avoue qu'avec Ingrid, ça aide, hein. C'est bon, la voie est libre. Allez. Oh, le masque s'agite. On doit être... tout prêt. C'était quoi? À toi de me le dire. C'est toi qui es déjà venu ici. C'était sûrement rien. Oui, ça a rien. Ouais. Il faut qu'on sorte d'ici. Et le masque? On est tout proche. En plus, je crois pas qu'il soit dangereux. Est-ce qu'on voit bien la même chose? S'il est enfermé, c'est sûrement pas pour rien. Je peux sentir ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et tout ce qu'il veut, c'est sortir. Le morceau doit être derrière lui. Fais-moi confiance. D'accord. Commençons par l'entrave qui n'est pas près de ses dents. Ça, non? Du moins, ça y ressemble. On va pas libérer Fenrir quand même. Là. Il y en avait une troisième sous sa patte. On regardait dans la salle qu'il gardait. Une impasse? Pitié, dis-moi que c'est dans l'eau quelque part. C'est... tiens, il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première fois. Je t'ai fait confiance. Et on a libéré cette chose. Grand-père va me tuer. Il faut qu'on vide ici, dépêche. Trude, attends! On l'a peut-être pas vu, il était quelque part Trude, là-bas. Trude, c'est... ça va aller. Comment tu peux dire ça? Jamais dû t'écouter. Si j'ai fait une erreur, je la réparerai. Je trouverai le morceau. C'est le chien qui l'a... Tu es vraiment un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre, venant de deux bâtards. Ne me traite pas de... Je t'appellerai comme je le voudrais, Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête.
Tu l'as aidé, n'est-ce pas? De quel côté es-tu au juste, sauterelle? Viens là, je vais te montrer. Oh. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce de grosse barrique d'hydromel sur pattes. On recommence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par reconnaître les tiens et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une Valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive? Oh. Allons, tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête! C'était pas loin. Trud! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin! Oh, il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les gens? J'en doute. Quant à toi, Loki le Jotnar, ton incompétence me sidère. À tel point que je n'endors plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que c'en serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaîtrait plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Loki, je te retrouverai dans ta chambre quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Très bien. Ma mission s'est déroulée sans accroc, père de tout. L'objet dont nous avions discuté est à l'abri. Le masque, en revanche... eh bien... ce ne sont que... des enfants. Merci beaucoup. Trud, je... je ne veux rien entendre. Tout allait bien avant que tu débarques. Je vais me rattraper, c'est promis. J'ai pas envie de parler maintenant. J'ai vraiment tout raté. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. T'avais une maison, Ingrid, avant d'être ici. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi, sans tout faire rater, si possible. Ça te plairait? Je peux entrer. J'ai entendu la version de Heimdall.
J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi. Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm, c'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi, mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ingrid, je dois partir. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Hugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh! Et tu salueras Mimir pour moi. Je suis surpris d'être soulagé de revenir ici. Si tu restes ici, tu risques d'attendre longtemps. Bien sûr. Encore une baston inutile! Ah là là! Ça va être comique quand papa va nous revoir. Allez. Utilise l'accès mystique au plus vite. Odin a raison. Libérer Garm. Quelle terrible erreur. Très bien. Je serai bientôt rentré. Ça va aller. Tout va bien se passer. Non, 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 non. C'est toi. C'est toi! Protège-toi! T'arrives au bon moment! Qu'est-ce qui se passe là? Atreus! Fais attention! Oula! J'ai tué quoi là? J'ai tué le vent! On arrache des torses, on arrache des têtes. Attends, je bouffe des têtes là. Et où? À ton signal. Laisse ça, riff. Lessa! 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 Relève-toi!
je vais les attirer. Ouais. Non, je serai pas un surgelé. Ah, c'est ça son nul quand il est comme ça. Ah, c'est pas dingue. Ah, mais lâchez-moi les culs. On va pas devoir le faire pour chaque, hein. Terminé. Pas grâce à toi. Où est Atreus? Atreus? Le fugitif est-il rentré apportant tout cela avec lui? Ne bouge pas. Je vais bien, je te dis. Tu saignes. Oh, arrête un peu de geindre. Comment dois-je t'appeler ? C'était de ma faute. Les Éléens, ils sont partout. Partout. Ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Il y avait un loup à elle. Il était enchaîné et je l'ai libéré. Et je pensais que si je... Garm ? Par les bourses d'Odin, tu as libéré Garm ? Garm ? Qui a libéré Garm ? C'est de la folie. Tu n'as pas fait ça, jeune homme. Si le molosse de Hel est libre, il va dévorer la trame même des royaumes. Les Éléens ne sont que le début. À quoi pensais-tu ? C'est vrai. As-tu idée du bourbier dans lequel tu viens de nous plonger ? Pourquoi as-tu commis pareille bêtise ? Est-ce l'œuvre de Loki ? Assez. Laissez-le. Atreus a commis une erreur. Une erreur que nous corrigerons ensemble. Génial. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. J'ai eu ma dose de voyage à Helheim. Il y a un problème. Je ne sais pas si je peux retourner à Helheim. L'écureuil saura peut-être. Je dois vous parler immédiatement. Immédiatement, j'ai dit. Messieurs, veuillez pardonner ma brusquerie, mais les dernières nouvelles venues d'Helheim sont tout bonnement inacceptables. Je vous prierai de bien vouloir remédier à la situation sur le champ. Je vous en conjure. Retournez à Helheim sans délai et réparez les dégâts que vous y avez causés.
ça attendra le prochain épisode. Ah là là, mais... Et ça tire en longueur, hein, c'est un truc de fou. Hey, franchement, j'ai vraiment hâte de voir la fin, hein, parce que là, waouh. Si déjà, avec tout ce qui vient d'arriver, je me demande vraiment ce qui va se passer ensuite, hein. Mais bon, allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, pour son rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... Attitude, comme d'habitude, je procure. Vous cassez sur vous considérez que c'est le dicton, je vous laisse, je vous fais plein de poutou partout, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, sur ce, ciao, bye, outil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, peace.